Direction la Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam lance un défi aux élèves du lycée classique d'Abidjan. Le lycée classique d'Abidjan était en effervescence ce vendredi 12 juillet à l'occasion de la fête de l'excellence avec Tidjane Thiam. Cet événement annuel, qui met à l'honneur les meilleurs élèves de l'établissement, a connu cette année une présence de marque, celle de Tidjane Thiam, ancien élève du lycée et président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire Rassemblement démocratique africain, PDCRDA. Monsieur Thiam a prononcé un discours inspirant devant les élèves, les parents et les enseignants, soulignant l'importance de l'éducation et du travail acharné. Il a également exhorté les élèves à faire preuve de générosité envers les générations futures, tout comme lui-même l'a fait en offrant des prix financiers aux meilleurs élèves en mathématiques. Des encouragements à l'excellence et à la générosité. Il n'y a pas que le savoir, a déclaré Monsieur Thiam. Il y a les valeurs et le comportement. C'est important d'être des citoyens exemplaires et de contribuer positivement à la société. Pour concrétiser son engagement à promouvoir l'excellence, M. Thiam a annoncé la création de prix financiers pour les meilleurs élèves en mathématiques. 1 million de francs CFA pour la première en terminale. 500 000 francs CFA pour la première en première. 250 000 francs CFA pour la première en seconde. En plus de ces prix, M. Thiam a également offert 2 millions de francs CFA à la promotion 2024 du lycée classique. Ce geste généreux vise à soutenir les élèves et à les encourager à poursuivre leurs études. M. Thiam a conclu son discours en lançant un message d'espoir aux élèves. J'espère que grâce au succès que vous allez remporter, vous allez aider les générations futures, a-t-il déclaré. C'est ça le plus important. Et faire preuve de générosité pour les générations futures.